Bonsoir, bonsoir, comme ça à tous nos fidèles auditeurs et des Réveil TV, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes bel et bien encore comme ça du mercredi 12 avril 2023 par la grâce du Seigneur. Et nous allons commencer notre émission, notre temps de partage encore. Nous allons commencer par la prière. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te disons infiniment merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci également pour l'œuvre que tu as commencée dans nos vies, Père éternel, et dans cette contrée, Seigneur, dans cette région. Merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, tu as dit dans ta parole, Seigneur, que tout lieu qui foulera la plante de vos pieds, tu nous le donneras en possession. Seigneur, nous prenons autorité en ce moment sous les ondes. Nous prenons autorité en ce lieu au nom de Jésus. Nous proclamons Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous nous levons également contre toute puissance qui s'oppose à la bonne compréhension de la parole au nom de Jésus, que tout esprit, toute puissance qui s'élève soit démolie, détruite au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Nous proclamons ton règne au nom de Jésus, Seigneur. Inspire-nous davantage, parle au travers de nous, mets tes paroles dans nos bouches et nous prions également pour tous ceux qui nous écoutent, Seigneur, que dans ta grâce, mon Dieu, tu ouvre l'intelligence pour une véritable compréhension de ta parole, Seigneur. Et que, Père éternel, Seigneur, tout plan, projet de vol de cette semence dans les cœurs soit détruit au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as commencée. Merci d'amener cela à la perfection au nom de Jésus. Nous prions également pour les appareils, Seigneur, que cela soit couvert par la puissance de ton esprit, que tout plan et projet d'attaque de ces appareils, des instruments, soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce soir, nous allons partager sur un thème, la porte étroite. C'est un thème, la porte étroite. Voilà, merci. Nous allons partager sur la porte étroite. C'est un thème que je me souviens en 2000, donc je pense que c'était l'année passée. J'étais au Cameroun. Quand j'étais au Cameroun, lors d'une mission, j'étais allé à. Le Seigneur m'avait conduit à Kiosi pour aller évangéliser dans cette contrée-là. Et le Seigneur m'a parlé de la porte étroite. Et quand j'ai commencé à prêcher ce message sur la porte étroite, le Seigneur m'a dit, non, je ne t'appelle, je ne te le disais pas de commencer à parler de cela parce que tu ne peux pas parler de cette porte si toi-même tu n'es pas passé d'abord par un dépouillement profond. Et quand ça s'est passé, je me suis posé les questions. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? Mais j'avais déjà parlé dans cette ville-là, à Kiosi. Mais pour aller, puisque j'avais 3 semaines d'émission, j'avais Kiosi, Ambam et Yebolova. Et quand j'ai fini les 1 semaine à Kiosi, il fallait aller à Yebolova, à Ambam, pour commencer la 2e semaine. Et il y a eu beaucoup d'opposition. Et c'est là où il faudrait que tu rentres d'abord et en toi-même tu es dépouillé. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? À quoi? Parce que quand on parle de la porte étroite, ce n'est pas une porte comme toutes les autres portes. Le Seigneur Jésus pourra dire, je suis la porte. Et nous allons prendre notre verset de base dans le livre de Luc. Luc 13, après je vais revenir sur le témoignage. Luc 13 à partir du verset 23. Nous allons lire Luc 13 à partir du verset 23. Puis il s'en alla par les villes et par les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Là, c'est une question que le Seigneur lui a posée. « Seigneur, y a-t-il peu de gens qui ne soient sauvés ?» Il leur répondit. Écoutons un peu la réaction, la réponse que le Seigneur a donnée. Il dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Ici, la Bible nous parle. Il y avait une question, il y avait
quelque chose qui taraudait l'esprit d'un disciple. Il a posé cette question, Seigneur, est-ce que, comme il dit, là, il dit, Seigneur, n'y a-t-il peu de personnes qui doivent être sauvées? Donc c'était sa question de savoir, quand il voyait certainement le maître était en train de prêcher de ville en village, il voyait certainement peut-être les cœurs des gens qui étaient endurcis, les hommes qui étaient incrédules, comme nous voyons également dans cette génération, c'est encore des mêmes choses qui se reproduisent, des cœurs incrédules, des hommes qui ne veulent pas se séparer de leur propre vie, qui ne veulent pas se séparer du moi, qui ne veulent pas se séparer du péché, ils veulent maintenir leur vie unique, ils veulent continuer à vivre leur vie. Et la Bible dira ceci, il a posé cette question au Seigneur. Le Seigneur aurait pu dire non ou ceci, mais écoutons la réponse du Seigneur. La Bible dit, le Seigneur dit, efforcez-vous. Ça veut dire, il y a un effort à faire, il y a quelque chose que tu dois faire, frère. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Et le thème de mon message ce soir, c'est la porte étroite. C'est la porte étroite. Cette porte-là n'est pas facilement reconnaissable aux yeux humains, frère. Il dit, efforcez-vous. Donc, ça veut dire, et beaucoup même peuvent connaître la porte, et ils refusent d'entrer dans cette porte. Nous avons un exemple dans la Bible. Parce que le tout, c'est d'abord de reconnaître même la porte étroite. Et maintenant, quand nous avons réussi à voir cette porte étroite, il y a un effort que nous devons faire pour pouvoir entrer dans cette porte étroite. Et il dira ceci, nous allons pas, peut-être la Bible nous parle du jeune homme riche qui avait rencontré la porte étroite là. Et quand il a rencontré cette porte, la porte lui a posé la question, lui-même il a posé la question de savoir que faut-il faire pour que je puisse entrer, pour que je puisse recevoir la vie éternelle. Et la Bible dira que le Seigneur a commencé à citer un certain nombre de choses qu'il devait faire pour pouvoir hériter la vie éternelle. Mais, et quand le Seigneur a cité, il a dit, waouh, j'ai observé. Mais il ne savait pas, il y avait quelque chose qui était caché à ses yeux. Comme chacun de nous a un péché qui peut être caché à notre yeux, à nos yeux, et que seul le Seigneur lui-même peut nous le révéler. Le plus ce péché est révélé lorsque nous sommes dans sa présence. Tu peux vivre loin de la présence du Seigneur, mon frère. Tu peux mener les actions pour le Seigneur, toutes ces choses. Tant que tu ne pars pas dans sa présence, il ne pourra pas te révéler véritablement ce qui peut t'empêcher d'avoir la couronne au ciel. Ce qui peut t'empêcher d'être sauvé. Et c'est ce qui s'est passé avec ce jeune homme riche. La Bible dira que quand il s'est approché, le Seigneur l'a parlé d'adultère. Il a dit, non mais Seigneur, je ne suis pas un adultère. Je ne suis pas un impudique. Je ne suis pas ceci. Mais le Seigneur lui a dit, il y a quelque chose que tu dois encore faire si tu veux être parfait. Et cette chose, c'était tout simplement quoi? Il fallait qu'il vende tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a pour pouvoir donner aux pauvres. Et donner aux pauvres et venir ensuite pour suivre le Seigneur. Et quand cela est sorti, mon frère, il a été disqualifié. À cause de quoi? À cause des grandes richesses qu'il avait. Et le Seigneur a pu dire, il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Et c'est ce qui se passe également aujourd'hui. Je suis parfois choqué quand je vois des gens venir à l'église parce qu'ils attendent une certaine richesse. Frère, la richesse que tu viens pour chercher à l'église, là, la Bible dit, Jésus lui-même dit qu'il est difficile pour les riches d'entrer au royaume des cieux. Combien de fois toi tu viens parce que tu veux prendre l'argent pour pouvoir entrer? Non, ce n'est pas possible. Et le Seigneur parle de la porte étroite. Et quand ça s'est passé comme ça, je reviens sur le témoignage de Yaoundé. Le Seigneur m'a parlé clair, il m'a dit, tu ne peux pas prêcher encore ce message. Je lui ai dit, non Seigneur, mais qu'est-ce? Il m'a dit, il y a des choses que tu dois te séparer encore dans ce monde. J'ai dit, mais Seigneur, quoi? Frère, j'avais une grosse voiture. Une voiture que quand j'entrais dedans, ça inspirait l'orgueil. Il me dit, comme tu rentres là, va te séparer de cette voiture-là. Tu achètes une petite voiture, comme un taxi. C'est avec ça que tu vas rouler. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai commencé à sortir tous les versets bibliques, tous les trucs pour convaincre Dieu, disant, mais Seigneur, tu vois, j'ai pris cette voiture pour mes voyages. Lorsque je veux voyager, tu vois, ça tient bien la route. Je fais des longues distances avec. Et comme elle est haute, les routes ne sont pas bonnes au Cameroun. J'ai montré tous mes arguments. J'ai présenté tous mes arguments au Seigneur. Mais le Seigneur a dit,
va d'abord toi me te dépouiller. Et en plus, et c'était en pleine période où j'étais en train de construire, j'avais un gros duplex que j'étais en train de faire. On appelle ça une maison blanche. J'avais déjà commencé la fondation qui devait porter ce duplex. Ça m'avait coûté énormément d'argent. Et j'ai commencé le premier niveau. Il fallait que je coule la dalle. Le Seigneur me dit, comme tu rentres également, modifie ta maison, arrête avec le duplex, construis un truc modeste, un truc tout simplement modeste. Il dit, mais Seigneur, comment? Il me dit, non, tu ne peux pas désirer les choses du monde et désirer également prêcher ma parole. Quel est le témoignage que tu vas donner? Comment vas-tu dire aux gens de ne pas, de se séparer des choses de ce monde si toi-même tu n'étais jamais séparé de ces choses de ce monde? Si les choses de ce monde ont encore une valeur à tes yeux, ça veut dire que tu n'es pas digne de pouvoir prêcher sur la porte étroite ou bien prêcher, interpeller les gens à se dépouiller des choses de ce monde. Ça a été une bagarre avec le Seigneur. Je me souviens, j'étais en mission. Un jour, à 3 heures du matin, je n'arrivais plus à prier. J'ai appelé mon épouse. Je lui ai dit, chérie, ici, voilà, le Seigneur exige de nous l'obéissance. Nous devons nous séparer de la voiture, de la maison, de toutes ces choses-là. Elle m'a dit, chérie, ce que le Seigneur a dit, je bénis Dieu pour elle vraiment. Ce que le Seigneur a dit, c'est ce que nous devons faire tout simplement. Nous devons obéir. Et c'est comme ça que je suis rentré sur Yaoundé. Tu vois, quand tu fais un pas dans l'obéissance, le Seigneur te conduit encore dans un autre, et te rapproche davantage de lui. Et quand je suis sorti de là, frère, j'avais perdu ma vie de jeûne depuis longtemps, ma vie de prière intense, toutes ces choses. Après cela, le Seigneur m'a accordé la grâce de faire un jeûne de 40 jours sans manger, où je suis resté dans sa présence, crier, prier, jeûner. J'ai fait ces 40 jours uniquement en buvant de l'eau, sans prendre un médicament, sans prendre un fruit, sans prendre quelque chose. Et j'ai compris que quand tu obéis, nous obéissons véritablement à la voix du Seigneur, frère, le Seigneur se rapproche davantage de nous. Donc ce soir, je veux juste t'encourager à te séparer véritablement de toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur dans ta vie. Il y a beaucoup de choses qui n'honorent pas Dieu dans nos vies. Beaucoup de choses qui nous encombrent même à un certain moment donné. Et nous sommes toujours derrière ces choses, derrière ces choses. Et c'est pour cela qu'on ne voit plus la vie du Seigneur se manifester en nous. On ne voit plus cette vie, on ne voit plus ces choses-là, frère. Frère, c'est le temps où nous devons nous efforcer. Il dit bien, efforcez-vous donc, ça veut dire un effort à fournir. Et cet effort-là se retrouve dans quoi? Dans le renoncement à soi, frère. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois renoncer à tes avoirs. Tu dois renoncer à qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui partage ton cœur avec le Seigneur, frère? Quel élément, l'élément, quelle est la gloire? Qu'est-ce qui partage ton cœur avec le Seigneur, frère? S'il y a quelque chose qui partage ton cœur avec le Seigneur, ça veut dire que, frère, tu ne pourras pas entrer dans cette porte. La Bible parle d'une porte étroite. Ça veut dire que tu ne peux pas entrer dans cette porte-là avec les choses du monde. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Tu ne peux pas entrer par la porte étroite avec les choses de ce monde. Ce n'est pas possible, frère. Tu ne peux pas entrer par cette porte avec la gloire de la terre. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas entrer par cette porte avec les richesses de la terre. Tu ne peux pas entrer dans cette porte avec le péché. Tu ne peux pas entrer dans cette porte-là. Ce n'est pas possible. Toutes les portes peuvent te mener n'importe où, mais cette porte-là, c'est la seule porte qui peut te mener au ciel, frère. C'est la seule porte qui peut te mener à Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dira, elle est étroite. Quand tu pars dans le dictionnaire, on va te parler de la porte étroite. Tu vas voir qu'on va te dire quelque chose d'étroit. Ça veut dire que ce n'est pas un truc qui est costaud ou gros ou large. Non, c'est un truc qui est rétréci et qui est taillé à la dimension uniquement de l'homme. Qui est taillé à la dimension pas avec quelque chose sur toi, non. Tout ce que tu as sera obligé, tu dois l'enlever, tu dois l'arracher, toutes ces choses-là, tu dois arracher pour pouvoir voir la gloire du Seigneur, pour pouvoir entrer effectivement dans cette porte. Frère, on n'entre pas dans le royaume-là. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens, le royaume de Dieu-là, le ciel-là n'est pas la poubelle. Beaucoup ont peut-être l'habitude de croire que le ciel, c'est la poubelle, qu'ils vont vivre leur vie n'importe comment, et au jour de leur mort, quand ils vont mourir,
On va appeler le prêtre ou on va appeler le pasteur, il va venir lire une messe. Frère, je vais te dire, c'est un mensonge que les hommes nous ont donné. C'est un mensonge tout simplement que les hommes ont créé. Ils ont fait croire que non, tu peux vivre ta vie n'importe comment. Et le jour où tu vas mourir, tu vas laisser beaucoup d'argent que tu auras amassé sur la terre. On va lire les messes pour toi même pendant 20 ans. Frère, même si on va lire les messes de génération en génération, aucune messe ne pourra aller sortir ton âme du séjour des mort pour envoyer ton âme au ciel, frère. Non, c'est maintenant que nous devons chercher à entrer au ciel, frère. Ce n'est pas après la mort, c'est maintenant que nous devons avoir notre rencontre avec le Seigneur. C'est maintenant que nous devons nous tourner effectivement vers cette porte-là, frère. C'est une porte qui n'a aucune gloire humaine, frère. C'est une porte qui a une gloire spirituelle que les yeux physiques, tant que tes yeux physiques sont ouverts, tu ne peux pas voir cette porte-là, frère. Tant que tes yeux sont encore tournés sur les choses du monde, sur les choses du monde, sur le positionnement, sur le vouloir être vu, le vouloir être acclamé, le vouloir être célébré, le vouloir avoir une position, que ce soit socialement, que ce soit dans l'église, que ce soit n'importe où, à ces choses-là, tu ne peux pas entrer, frère. Tu ne peux pas entrer. Et c'est la seule porte que la, par laquelle Jésus a recommandé aux hommes d'entrer. Il a même dit aux hommes, efforcez-vous d'entrer par cette porte-là, frère. Quelle importance! Si cette porte n'était pas importante, le Seigneur ne pouvait pas demander aux hommes d'y entrer dans cette porte-là. Il précisait bien la porte étroite. Cette porte étroite, quelle est la porte? Quelle porte passes-tu, frère? La porte qui te donne à quoi? Qui te mène aux boîtes de nuit? La porte qui te mène dans le monde, dans la corruption? C'est par cette porte-là que tu passes? C'est par cette porte que tu vas atteindre la gloire du Seigneur? Quelle est la porte par laquelle tu es entré? La porte de la sorcellerie? La porte de l'Eboka? La porte des sectes? Et quelle est la porte par lequel tu es passé, frère? Est-ce que tu es passé par la véritable porte qui est Jésus-Christ de Nazareth? La porte où tu as besoin de te dépouiller, où on ne peut jamais entrer, frère, avec les choses du monde dans cette porte, frère. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un effort. Il y a un effort que tu dois fournir, frère. Il y a un effort que tu dois fournir. Il y a un effort que tu dois fournir. Et cet effort, ça dépend maintenant de toi. C'est de te rapprocher d'abord du Seigneur. C'est cet effort que tu dois fournir, frère. Viens vers le Seigneur. Et le Seigneur va t'aider. Même si tu n'as pas la capacité, tu as la volonté. La Bible dira, c'est le Seigneur qui produit en nous le vouloir et le faire. Et s'il vient, si tu viens à lui, il produira cette volonté et cette capacité de te séparer des choses de ce monde, frère. Qu'est-ce qui t'attire encore dans ce monde? La position sociale, le salaire, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'attire? Les femmes, la belle vie. Frère, je vais te dire, nous sommes venus sans rien sur la terre. Et nous n'allons rentrer avec rien. Nous sommes venus nus, hein, et nous retournons encore nus. Ce n'est pas parce que les hommes vont nous habiller quand nous allons mourir pour nous garder là-bas. Non, l'habit là-même va pourrir là-bas. Nous ne sommes venus avec rien. On a passé le temps à se battre sur la terre pour obtenir ces choses. Les choses pour lesquelles, lorsque nous allons mourir, nous allons encore laisser toutes ces choses sur la terre, frère. Toi qui veux t'accrocher tellement aux choses de la terre, regarde le maître. Regarde la vie du maître. Je vais te poser une question. Jésus, qui est le maître, il avait la possibilité de choisir là où il devait naître. C'est le seul homme qui avait la possibilité de choisir là où il devait naître. Regarde la plupart des hommes, nous n'avons pas cette possibilité-là de choisir là où nous devons naître. Parce que si chacun de nous avait la possibilité de choisir là où il devait naître, je ne pense pas que l'Afrique devait exister. Les gens devaient choisir naître en Europe, naître aux États-Unis, naître dans les ventes de Bill Gates, naître dans la famille Bongo, naître dans la famille de Paul Biya Kamara, naître dans la famille... C'est là où les gens devaient choisir naître. Mais regardons le maître, que nous disons que c'est notre modèle. Regardez là où il a choisi aller naître. Il n'a même pas choisi aller naître dans un hôpital. Il n'a même pas choisi aller naître dans un endroit normal. La Bible dit qu'il allait naître dans une étape. Dans une crèche, dans un endroit qui n'avait
aucune valeur humaine, qui n'a, là où les animaux restaient, regarde là où il allait naître. Et la Bible dit, les rois sont venus l'adorer, les mages sont venus l'adorer. Frère, regarde là où notre maître est allé naître. Il avait la possibilité d'aller, vous croyez qu'en ce temps-là, il n'y avait pas les hommes riches? En son temps, non, les Hérode existaient. Hérode était là. Il aurait pu aller naître chez Hérode, ou bien il aurait pu aller décider de naître chez, chez l'un des grands prêtres de l'époque. C'était les hommes influents à cette époque, les grands prêtres. Il aurait pu choisir aussi aller naître même chez, on l'appelle le type là, chez l'empereur romain, ou bien chez Ponce Pilate là-bas, les responsables. Il aurait choisi aller naître là-bas. Mais regarde là où il a choisi. Aller naître dans une famille de pauvres. Dans une famille, il n'y avait rien. Dans une famille, il n'y avait pas l'argent. Dans une famille de charpentiers, frère. Dans une famille qui n'avait pas la gloire humaine. Qui n'avait pas cette gloire. Dans une famille qui n'avait pas la gloire de la terre. C'est là où notre Seigneur allait naître. Mais comment est-ce que nous, qui disons que nous sommes ses serviteurs, nous sommes ses enfants, nous voulons absolument faire le contraire de ce que Jésus-Christ a fait, frère? Ça, c'est la question que je vais te poser. Pourquoi veux-tu faire le contraire de ce que le Seigneur a fait? Marche sur les pas de ton Dieu. Marche sur les pas de l'humilité de ton Dieu. Marche sur les pas de la simplicité de notre Dieu. Parce que beaucoup vont dire, on va prendre beaucoup de versets, dit non, la Bible a dit non, vous serez riches, vous serez ceci. Frère, arrêtons un peu avec toutes ces choses-là, frère. Arrêtons avec ces choses-là. Arrêtons avec cela. On va dire non, que Jésus a dit que ceux qui ont abandonné auront au centuple. Frère, s'il fallait ça, c'est que Pierre devait être très, très riche. Pierre n'était pas riche, frère. La preuve est que face au paralytique, il lui a dit, moi, je n'ai pas d'argent. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Mais ce que j'ai, ça n'a aucune valeur sur le marché humain. Et je porte la vie de mon maître en moi. Et je porte cette vie. Et c'est cette vie que je te transmets. Prends cette vie. Et on a vu comment lorsque la vie là est entrée dans cet homme, ça a redonné la force à cet homme. Ça a relevé cet homme. Et c'est ce dont nous avons, cette génération a très vite perdu. La vie de Dieu. Cette génération a perdu la vie du Seigneur en elle. Et c'est, ils ont perdu tout simplement pourquoi? Parce qu'ils refusent d'entrer par la porte étroite. Parce qu'on refuse d'entrer dans la porte étroite. On refuse de s'efforcer. On refuse d'entrer par ce chemin-là. Et comme on ne veut pas entrer par ce chemin, c'est pour cela qu'on ne voit plus la gloire du Seigneur, frère. Mais je suis venu t'encourager ce matin, ce soir, pour te dire, c'est possible. C'est possible d'y entrer par cette porte. Dieu n'a jamais demandé à l'homme de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire, frère, non. Si Dieu dit entrer par cette porte, ça veut dire Dieu encore peut lui-même t'introduire dans cette porte. Il peut te donner la capacité également d'entrer dans cette porte. Cette porte-là, c'est une porte qui te mènera à lui. Le Seigneur dit, entrez par la porte étroite. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est lui qui est derrière la porte étroite. Que dès lors que tu entres par cette porte, la première personne que tu vas rencontrer, ça sera lui que tu vas rencontrer, frère. Or, les portes du monde, quand tu vas entrer par ces portes-là, ce n'est pas le Seigneur que tu vas rencontrer. C'est les hommes que tu vas rencontrer. Et à la fin, pour chuter sur le diable à la fin. Tu vas rencontrer d'abord les hommes, tu vas rencontrer la gloire, tu vas rencontrer toutes ces choses, mais sois-en sûr qu'à la fin, ça sera le diable que tu vas rencontrer, frère. Ça sera le diable, parce que toutes ces choses, et ça sera également l'enfer que tu rencontreras. Mais le Seigneur, dans son amour, ce n'est pas ce qu'il a choisi pour toi. Le Seigneur ne veut pas que tu ailles en enfer. Le Seigneur ne veut pas te perdre. Le Seigneur veut tout simplement que tu te détournes de tes mauvaises voies et que tu reviennes vers lui. C'est pour cela qu'il a dit, efforcez-vous d'entrer par cette porte, car je vous le dis, que beaucoup chercheront à entrer. Il dit bien, beaucoup chercheront à entrer. Et le Seigneur savait, le Seigneur, ça c'était une vision prophétique qu'il avait reçue, c'était un message prophétique qu'il avait reçu. Il a dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ne le pourront pas. Ça veut dire, c'est une porte sélective, frère.
Le Seigneur lui-même dit, beaucoup chercheront à entrer dans cette porte-là. Beaucoup chercheront à entrer. Comme nous voyons aujourd'hui, beaucoup veulent entrer. Beaucoup veulent entrer dans le Seigneur. Beaucoup veulent connaître le Seigneur. Mais ils n'y arrivent pas. À cause de quoi? Des différentes portes de confusion. Des portes de confusion qui sont en face d'eux. Il y a tellement de portes actuellement où les hommes sont dans une grande confusion. Ils ne savent plus quelle est la véritable porte qu'il faut emprunter. Là, on les a présenté tellement de portes. On va te présenter la porte du voyage. On va te présenter la porte des miracles. On va te présenter la porte de l'argent. On va te présenter la porte des finances. On va te présenter la porte de la gloire humaine. On va te présenter la porte de la politique. On va te présenter toutes les portes. Et aucune de ces portes ne pourront te mener au ciel, frère. Aucune des portes. Quelle est la porte par laquelle tu es passé? Quelle est la porte par laquelle tu es passé? Peut-être depuis tu as dit non. Quand tu regardes, tu dis je suis chrétien. Quand toi-même tu regardes à ta vie, tu sens que tu n'as rien à voir. La vie que tu mènes n'a rien à voir avec le christianisme. Parce qu'on parle de chrétien, ça veut dire nous sommes comme Christ tout simplement. Nous sommes comme Christ. Ça veut dire que la porte que tu as empruntée, c'est déjà sur la terre. Tu as emprunté la mauvaise porte, frère. Ça veut dire que la porte que tu as empruntée ne pourra pas te mener dans la porte de l'éternité. Non. Non. C'est maintenant que tu dois regarder encore la véritable porte. Est-ce que la porte que tu as empruntée, c'est une porte qui t'amène à te dépouiller? Est-ce que c'est une porte qui t'amène à désirer les choses d'en haut? Est-ce que c'est une porte qui t'amène à te séparer des choses de ce monde? Est-ce que c'est une porte qui t'amène à te séparer de la colère, à te séparer du banditisme, à te séparer des mauvaises compagnies, à te séparer de la sorcellerie, à te séparer de l'impudicité, à te séparer de la franc-maçonnerie ou de l'éboca ou de toutes ces choses que les hommes ont créées, à te séparer des fausses protections divines, frère? Est-ce que c'est cette porte-là que tu as emprunté? Frère, si tu as emprunté une porte qui n'a pas une conséquence, une implication dans ta vie concernant les choses du royaume, ça veut dire que c'est la fausse porte que tu as emprunté, frère. Il y a beaucoup de portes là-dedans. Et chaque choix que nous faisons a soit une conséquence, soit une implication. Donc, si tu fais le bon choix, l'implication, ce qu'il y aura dedans, c'est que ton cœur se tournera désormais tout simplement vers les choses qui sont vers le ciel, frère, vers le trône. Mais si tu fais un mauvais choix, il y aura les conséquences qui sera quoi? La mort. La perte éternelle. Et ce n'est pas ça que Jésus-Christ lui veut pour toi et moi, frère. Si Jésus-Christ voulait que tu te pètes, il ne serait pas venu mourir à la croix pour toi, frère. Si Jésus-Christ ne veut pas cela, il ne serait pas venu pour que tu meures, pour mourir pour toi. La preuve qu'il a un amour indescriptible pour toi, c'est qu'il a quitté son trône de gloire, frère. Il a quitté son siège, son trône de gloire. Il a quitté son lieu d'adoration, son lieu de sainteté, pour venir marcher sur la terre, pour venir marcher, pour venir te montrer un modèle, pour venir, pour que toi tu puisses recevoir la vie éternelle, pour que toi tu puisses être libéré, frère. Aujourd'hui, il y a tellement de portes que nous sommes, qu'on nous a présentées, frère. Il y a tellement de portes que les hommes nous ont présentées. Ces portes-là ne peuvent pas nous mener au salut, frère. Ces portes ne peuvent pas nous mener au ciel, frère. J'ai souvent l'habitude de dire au Cameroun, frère, ce n'est pas toutes les prières qui sont exaucées. L'exaucement des prières, le fait que tu as prié une prière, tu as levé une prière, que tu crois que l'exaucement vient de Dieu. Non, Dieu n'est pas un Dieu de confusion, frère. Même Satan également exauce la prière de ses enfants. Satan exauce également la prière de son peuple pour apporter la confusion. Parce que quand quelqu'un va te dire, j'avais des problèmes, je suis allé au village, j'ai versé l'huile sur les crânes et je suis rentré, mes problèmes sont finis. Toi, tu vas me dire que l'exaucement là vient du Seigneur.
Ça ne vient pas de Dieu, frère. Ou bien quelqu'un va te dire, j'avais des problèmes. Voici, j'ai pris l'eau aussi. J'aspergeais dans ma maison. Je faisais les mauvais rêves. J'ai pris l'eau, j'aspergeais dans ma maison. Ou tu vois la croix ici, avec le monsieur ici qu'on a bragué sur la croix. On a dit que c'est Jésus. C'est lui qui me protège. Frère, c'est faux. Ça, c'est la confusion que nous avons aujourd'hui. Ou bien tu vas arriver quelque part. On va te dire, voilà la photo, le calendrier de ton pasteur. Comme je vois aujourd'hui, beaucoup de gens ont pris les photos et les calendriers de leur pasteur. Ils ont affiché à l'entrée de leur maison. Ils ont affiché dans leur chambre. Pour d'autres, ils ont affiché même sur leur lit. Non, frère, cela ne peut pas te mener au Seigneur. Ton pasteur n'est qu'un homme comme toi. Il ne peut pas te protéger. La preuve est que quand tu dors, lui également, il est en train de dormir, frère. Ton pasteur ne peut pas veiller sur toi en même temps. Non, la personne qui veille sur nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi est-ce que les hommes ont peur? C'est parce que la porte que nous avons empruntée ne peut pas nous mener à l'assurance de la protection, frère. La porte que tu as menée ne peut pas t'apporter l'assurance. La porte que tu as menée ne peut pas te donner cette assurance, frère. Regardons Daniel, regardons Shadrach, ces hommes qui avaient rencontré la véritable porte. Ils avaient décidé d'entrer par la porte étroite, frère. Il y avait une loi en temps de Daniel qui demandait que la personne qui devait faire une autre prière, qui on voulait imposer une autre forme d'adoration, d'idolâtrie à ce peuple, frère. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous on ne va pas entrer par cette porte-là, frère. Peu importe ce qui va arriver. Nous on ne va pas se prosterner devant toi, Shadrach. Les Shadrach ont dit, nous on ne va pas se prosterner devant toi, roi Nebuchadnezzar. On ne va pas entrer par cette porte-là. Et ils ont dit, ils ont accepté la souffrance. Ils n'ont pas eu peur du feu qui était en face d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la révélation de la porte. Ils savaient que celui qui était au niveau de la porte, que même étant dans le feu, il avait l'autorité sur le feu. Il avait l'autorité sur les lions. Il avait l'autorité sur la tempête. Il avait l'autorité sur la nature. Il avait l'autorité sur les démons. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup ne savent pas que Jésus-Christ protège, que Jésus-Christ garde, que Jésus-Christ de Nazareth peut te donner tout ce dont tu as besoin. Beaucoup ne savent pas cela, frère. Beaucoup ne savent pas. C'est pour cela qu'ils n'arrivent pas. Et comme Jésus lui ne donne pas ces choses, tout simplement pour te faire plaisir, non. Pour faire plaisir à ta chair, non. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur procède. Il donne les choses à ses enfants pour par utilité, frère. Parce que ça va te servir à quoi? De ta que je tu pries, tu dis Seigneur, je veux le jet. Il te donne un jet privé. Après, tu te sers de ce jet-là pour commencer à commettre des abominations dans le monde entier avec. Et tu te retrouves en train de mourir et perdre ton âme. Jésus ne veut pas perdre ton âme, frère. C'est pour cela qu'il y a certaines choses qu'il ne nous donne pas. Parce qu'il sait une chose, que s'il te donne cela, ça va te détruire. Elle te détruira, frère. Quelle est la porte par laquelle tu es entré? La porte qui ne peut pas te donner l'assurance. Les pierres avaient rencontré véritablement cette porte. Et ils avaient cette assurance en eux. C'est pour cela que lorsqu'on pouvait les amener n'importe où, cette assurance-là les gardait. Est-ce que toi également tu as la même assurance aujourd'hui? Est-ce que toi également tu as cette assurance? Tu as cette assurance que si tu entres, le Seigneur sera avec toi. Tu as cette assurance que même si on t'attache pour Jésus-Christ de Nazareth, pour la bonne cause, est-ce que tu seras avec le Seigneur? Non. Beaucoup n'ont pas cette assurance. Beaucoup n'ont pas cette assurance tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une véritable rencontre avec le Seigneur. Et le Seigneur dira, efforcez-vous. Quel est l'effort que toi tu fournis pour pouvoir entrer dans cette porte? Ça, c'est la question que je vais te poser. Quel est l'effort que toi tu fournis pour pouvoir entrer dans cette porte? Je vais prendre par exemple le cas peut-être d'une sœur ou d'un frère ou d'un homme qui vit avec une femme qui n'est pas sa femme. Parce que nous pouvons vivre dans le concubinage et croire que c'est notre femme. Non. Regardons l'histoire dans Jean 4 là-bas. Le Seigneur a parlé que tu vis avec un homme, ce n'est pas ton homme, ce n'est pas ton mari. Donc ça veut dire qu'il y a une possibilité de vivre avec un homme qui n'est pas notre mari. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit à cette dame? Je prends l'exemple de cette dame qui vit peut-être avec un homme,
Maintenant, quand le Seigneur dit efforcez-vous, l'effort que toi tu dois fournir, ici là, c'est fait quoi? C'est de te séparer tout simplement de cet homme. C'est ça l'effort que tu as fourni. Peut-être qu'on va, parce qu'il faudrait qu'on explique quel est l'effort qu'il faut fournir. L'effort que toi tu as fourni, c'est de dire tout simplement à cet homme que mon frère, c'est vrai, toi et moi, on a fait 50 ans de mariage ensemble. À partir de maintenant, 50 ans, qu'est-ce que j'ai dit de mariage? De vie commune ou peut-être 20 ans de vie commune. À partir de maintenant, et on a, il y a peut-être même 10 enfants, 15 enfants, à partir de maintenant, toi et moi, on n'aura plus de rapports sexuels. Parce que le fait, ce n'est pas de vivre avec la personne, non. Nous pouvons vivre dans un même toi avec des sexes opposés. Le Seigneur n'a pas de problème avec cela. Mais le problème, c'est les rapports sexuels que nous entretenons déjà quand nous sommes ensemble. Maintenant, tu dis tout simplement à la personne, ton effort que toi tu auras fourni sera quoi là-bas? Ça sera tout simplement dit à partir d'aujourd'hui, tant que tu ne régularises pas la situation devant mes parents et devant monsieur le maire, toi et moi n'aura plus de rapport. C'est ça ta part d'effort que tu dois fournir. Et toi, peut-être homme de Dieu, tu vas me poser la question de savoir quel est l'effort que je dois fournir pour pouvoir entrer par cette porte étroite. La première effort que tu devras faire, c'est la vie de sainteté que tu dois devoir mener. C'est peut-être le renoncement à tes titres, à tes avantages, le renoncement aux choses du monde, le renoncement à toute ta fortune que tu t'es amassée sur le dos des hommes. Tu dois pouvoir renoncer à cette fortune-là. C'est un effort que toi, tu dois pouvoir fournir. Si tu es homme de Dieu et que tu es orgueilleux, que tu es orgueilleux parce que peut-être tu as une certaine autorité, que tu as peut-être beaucoup d'argent, tu as peut-être beaucoup de choses. Ton effort que tu as fourni, c'est de te séparer tout simplement de ces choses-là. Tu vas peut-être me demander que moi maintenant, qui suis-je disciple? Quel est l'effort que je dois faire? Peut-être tu es étudiant. L'effort que tu dois mener au niveau de ton école, c'est d'être un modèle pour toi, d'être un modèle pour tes amis, d'être un modèle pour tes camarades de classe. En faisant quoi? En ne pas trichant, en ne pas calomniant les gens, en ne pas insultant les gens, en ne pas te mélanger avec des amis qui sont dans la drogue, qui sont dans beaucoup de mauvaises choses. Ça, c'est l'effort que toi, tu as fait pour pouvoir entrer également dans la vie du Seigneur. Il y a un effort à faire en toutes choses. Le Seigneur nous appelle en ce temps de la fin à faire des efforts. Nous devons nous faire des efforts. Et dans ces efforts, nous devons nous séparer des choses qui nous attachent, des choses qui ont pris la position, la place de Dieu dans nos cœurs. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu dans ton cœur? Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu, l'amour de Dieu dans ton cœur? Qu'est-ce que tu aimes? Ça peut être peut-être ta montre que tu aimes. Ça peut être peut-être ta voiture. Ça peut être peut-être ta maison. Ça peut être peut-être ton travail que tu idolâtres. Ça peut être peut-être ta position sociale que tu as. Ça peut être toutes ces choses-là, frère, que tu idolâtres. Ça peut être toutes ces choses que tu idolâtres, frère. Et le Seigneur t'appelle ce soir à renoncer à ces choses. Le Seigneur t'appelle à renoncer aux vaines gloires, aux belles paroles que les hommes peuvent déposer sur toi. Le Seigneur t'appelle à renoncer à ces choses. Le Seigneur t'appelle à renoncer à tes multiples titres, à toutes ces choses que tu t'es amassé sur la terre, frère. C'est ça l'effort que tu dois fournir, frère. Le Seigneur t'appelle à te séparer de ces choses-là. Beaucoup demandent parfois, quel est l'effort que nous devons fournir? Il y a un effort à fournir, frère. Il y a un effort à fournir. Il y a un effort à fournir pour entrer dans le royaume. Il y a un effort à fournir pour rencontrer le Seigneur. Il y a un effort à fournir également pour pouvoir recevoir une véritable couronne. Parce qu'il y a, plusieurs types. Il y a la couronne du salut. Il y a la couronne également liée au service que tu auras effectué quand tu étais sur la terre. Beaucoup auront uniquement la couronne du salut, mais ils n'auront pas la couronne liée à l'œuvre pour laquelle le Seigneur les a appelés. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'ils ont été disqualifiés, parce qu'ils ont refusé de se séparer des choses que le Seigneur ne voulait pas qu'ils obtiennent. Beaucoup refusent de se séparer de ces choses pour l'évangile. Beaucoup refusent de se séparer pour rencontrer le Seigneur. Beaucoup refusent de se séparer pour gagner davantage, pour que le Seigneur gagne davantage leur cœur. Mon frère, je vais te dire une chose. Chaque fois que tu te sépares de quelque chose, de ce monde, l'implication c'est que la personne qui t'a demandé de te séparer occupe cet espace-là, frère. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi. Chaque fois que tu te sépares
Et cet espace sera remplacé. Dans le royaume, il n'y a pas le vide. Cet espace sera remplacé par la présence du Seigneur. Cet espace sera remplacé par son amour. Ça sera remplacé par sa douceur. Ça sera remplacé par sa fidélité, frère. Notre Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui nous aime, frère. C'est un Dieu qui est rempli. J'ai dit rempli, rempli d'amour pour son peuple. Rempli de compassion pour son peuple. C'est pour cela qu'il ne te condamne pas. C'est pour cela que nous ne te condamnons pas. Toi qui vis dans le péché, toi qui vis dans la masturbation, toi qui vis dans toutes ces choses, le Seigneur Jésus-Christ te tend la main en cette soirée. Il te dit, viens ma fille. Il te dit, viens te séparer. Il te dit, viens abandonner le péché. Il te dit, viens et je vais t'accueillir. Viens, je vais te donner la capacité pour pouvoir te maintenir debout désormais. Viens, sépare-toi de toutes ces choses. Viens et tu pourras entrer. Et on va chuter en finissant. Il dit, beaucoup chercheront à entrer et ils ne pourront pas. Beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Frères et sœurs, je vais te dire en chutant, il dira encore, et n'entrer et ne pourront pas. Quand le père de famille sera levé et aura fermé la porte et que vous serez dehors, vous vous mettrez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Et il vous répondra en disant, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous mettez à dire, nous avons mangé et bu en ta présence, tu as enseigné dans nos rues. Mais il dira, je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous qui faites le métier de l'iniquité. Donc, c'est pour te faire comprendre que, frère, le Seigneur Jésus-Christ a en horreur l'iniquité. Il a en horreur les choses de ce monde. Le Seigneur Jésus n'a pas en horreur l'homme, mais il a en horreur les choses de ce monde. Il a en horreur la gloire de ce monde. Il a en horreur les biens terrestres de ce monde, frère. Il a en horreur toutes ces choses. Frère, viens, toi qui ne connais pas encore le Seigneur, toi qui écoutes ce message ce soir et qui veux changer, nous allons prier tous ensemble, nous allons prier ensemble. Si tu es à la maison et que tu écoutes ce message, la première des choses que tu dois comprendre, c'est que nous ne disons pas cela pour te condamner, non, loin de là, parce que Jésus ne t'a pas condamné. Nous disons cela parce qu'on a un désir, on a un fardeau dans le cœur de voir des hommes de nouveau se tourner vers Jésus-Christ de Nazareth, de voir les hommes abandonner leurs mauvaises voies, de voir les hommes abandonner les voies du péché, abandonner les voies du monde et se tourner de nouveau vers le Seigneur. C'est ça le désir. Nous ne te condamnons pas, toi femme qui vis dans le péché, toi homme qui vis dans le péché, nous ne te condamnons pas. Mais nous t'interpellons tout simplement à revenir vers le Seigneur. Parce qu'il a prévu un jour également où il te jugera. Pour le moment, toi qui es encore vivant, le Seigneur te tend la main. Il te tend la main, il te dit sors de cette voie-là. Il te dit abandonne cette voie. Il te dit renonce à ces choses, renonce au monde, renonce à la gloire éphémère, renonce à toutes les choses qui ne glorifient pas son nom. Et tourne-toi de nouveau vers le Seigneur. Donc, nous allons prier pour ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans le cœur. Tu vas tout simplement répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis, je te rends grâce pour le message que j'ai écouté. Je te dis merci pour la parole qui est sortie ce soir. Et je viens humblement devant toi te demander pardon pour toutes mes iniquités, te demander pardon pour toute forme de désobéissance, te demander pardon pour tous les péchés que j'ai commis en pensée, en parole et en acte, te demander pardon pour les œuvres des ténèbres dans lesquelles j'ai marché pendant longtemps, te demander pardon, mon Dieu, pour toute forme de rébellion dans lesquelles j'ai été pendant longtemps, te demander pardon. Tu connais les différents péchés, tu peux citer pour tout ce que j'ai commis. Seigneur, je te supplie de me pardonner au nom de Jésus et de me laver avec le sang de l'agneau, de me laver avec le sang de Jésus-Christ de Nazareth, de me laver et de me purifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci Seigneur de me laver, de me purifier au nom de Jésus. Seigneur, tu vas continuer à prier disant Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie, efface mon nom dans le livre de mort, écris mon nom, inscris mon nom à partir d'aujourd'hui dans le livre de vie. Accepte-moi dans ton royaume à partir de maintenant et dis Seigneur, devant toi, devant les anges, devant également les anges déchus, je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc si tu as répété cette prière après moi, je te dis tout simplement, sois la bienvenue dans la maison du Seigneur et maintenant tu auras besoin d'être affermi dans la parole, d'être affermi davantage dans la connaissance de la parole. Tu vas voir les numéros de téléphone s'affichent au bas de l'écran. Tu pourras prendre ces numéros de téléphone, appeler si tu as davantage de questions que tu voudrais que on t'enseigne, on t'encourage. Tu peux venir également ici au niveau de la télévision pour davantage de temps de formation, pour davantage écouter la parole du Seigneur, pour être bâti dans cette parole. Tu peux te rapprocher également de cette télévision. Donc je vais prier également pour toi, parce que j'en ai prié pour la prière du salut. Je vais prier également pour toi qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth ce soir, et ensuite prier également pour ceux qui veulent la grâce d'entrer dans cette porte étroite là. Au nom de Jésus, nous sommes en prière. Père, au nom de Jésus de Nazareth, je prie et te dis merci pour les âmes que tu as sauvées encore ce soir. Je crois par la foi, Père, qu'il y a plusieurs qui nous écoutent et qui ont décidé, Seigneur, de prendre le meilleur engagement ce soir, de te servir, de t'accepter comme Seigneur et Sauveur ce soir. Seigneur, je prie pour eux là, Seigneur, pour tous ceux, Père, qui t'ont accepté comme Seigneur et Sauveur ce soir, afin que Père Seigneur, tu puisses les garder, tu puisses leur enseigner, tu puisses les encourager, Père, à te chercher davantage. Tu puisses les encourager, Père éternel, Seigneur, à se tourner véritablement vers toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour eux. Merci pour tout cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais prier également pour la catégorie de ceux qui sont endormis et ceux qui ont besoin de se lever et d'obéir à la parole du Seigneur. Père, je prie également pour tous ceux qui sont morts sur le plan spirituel, Père éternel, qui sont morts à cause de leurs offenses. Je prie, toi qui es le Dieu de miséricorde, que tu les accordes de nouveau ta grâce, ta miséricorde, au nom de Jésus. Que tous ceux, Père, qui étaient dans l'assoupissement, tous ceux qui étaient, Père éternel, dans la stagnation, tous ceux, Père éternel, Seigneur, qui avaient pris une voie, même qui était contraire, Père éternel, à la voie de la porte étroite. Je prie que par la puissance de ton esprit, mon Dieu, que tu ramènes les hommes, Père éternel, tu ramènes tout cela, Père éternel, sur la voie de la porte étroite, Père, et qu'ils ne fassent pas, Père éternel, comme l'homme riche, mais qu'ils entrent par cette porte, Seigneur, qu'ils entrent par cette porte, que tout obstacle, Père, qui se dresse contre cette porte, soit brisé au nom de Jésus, soit renversé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je prie, ô Dieu, pour ceux qui sont affaiblis, Seigneur, que ta grâce, ta main de grâce, ô Dieu, soit de nouveau posé sur eux au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Gloire à toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va prier également pour les malades, pour tous ceux qui ont des maladies, qui sont malades, qui sont pressés. Notre Dieu également, la Bible dit, il allait de ville en village également, il prêchait l'évangile, il guérissait également les malades. Si toi tu es malade, tu vas mettre tout simplement la main là où tu as mal et je vais prier. Père, au nom de Jésus de Nazareth, je te bénis, je te rends grâce et je te dis infiniment merci pour la guérison divine que tu as accordée à la croix. Seigneur, tu ne nous as pas seulement donné le salut, mais tu nous as également donné la guérison divine, car tu as dit, par tes meurtres ici, nous sommes guéris. Seigneur, merci Seigneur, parce que par ton meurtre ici, par ton sang, à cause de ton sang, Seigneur, ils reçoivent la guérison au nom de Jésus. Je relâche et je libère la guérison dans vos vies au nom de Jésus. Je réprimande toute maladie qui vous dérange au nom de Jésus. Je commande à toute maladie de partir au nom de Jésus de Nazareth. Je commande
tout diabète de partir. Je commande à tout diabète, tout cancer de partir au nom de Jésus. Je commande au fibrome de partir au nom de Jésus. Au myome de partir au nom de Jésus. À toute forme de paralysie de partir également au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je commande que depuis la tête jusqu'à la plante des pieds, toute maladie parte au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour la guérison divine. Merci pour la grâce. Gloire à toi dans le nom de Nazareth. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, soyez encouragés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.